Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et on se retrouve avec la Birchbox du mois de juin. Et attention, nous n'avons pas une box ce mois-ci, mais une trousse comme ça. Une trousse avec un tissu un petit peu néoprène qui permet du coup de l'emmener à l'eau. Forcément, c'est un peu l'idée du mois de juin, c'est d'utiliser des produits qui vont être parfaits pour aller à l'eau. Donc je vous montre tout de suite le petit flyers avec donc le thème, donc toujours un petit accordéon comme ça. Et le thème était donc au bord de l'eau, d'où la petite trousse. Ça change et vous pourrez utiliser vos produits pour aller en vacances dans la petite trousse directement. Et donc on va commencer tout de suite avec les produits qu'il y avait dans cette petite trousse. Et tout d'abord de la marque Absolution, c'est le nettoyant pureté. Donc apparemment c'est un nettoyant qui normalement coûte 29 € pour les 150 ml. Mais là on a 15 ml. A savoir que ce nettoyant dedans il y a de la camomille romaine, du saule blanc et de l'avoine. Il nettoie, régule, apaise et en plus 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 30% sont bio. Donc ça, Absolution, c'est une marque qui est assez connue, c'est une marque française qui est assez connue pour avoir un bon effet sur la peau. Pour tout vous dire, moi j'avais déjà testé un démaquillant qu'on avait reçu dans une Birchbox et j'avais pas du tout aimé. Je trouvais qu'il démaquillait pas très bien la peau. Donc là, on va essayer avec ce petit nettoyant. Un format très pratique à emmener en vacances. Ce que j'aime, c'est que ce sont des marques françaises, donc ça change et ça nous permet de connaître voilà, des petites marques qui sont dans notre coin, ce qui est quand même assez sympathique. Et je pense que ça va être un nettoyant qui va être pas mal pour les peaux à problème parce qu'il va venir nettoyer et réguler l'excès de sébum sans trop venir l'assécher avec son côté apaisant. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas trop assécher les peaux à problème parce que sinon c'est pire, la peau regresse encore plus. Donc c'est un nettoyant qui est à tester et qui est plutôt une bonne idée. Ensuite on a reçu un masque à l'argile de la marque Cattier et c'est un masque à l'argile rose. Donc ça je suis hyper contente parce que les masques à l'argile de Cattier sont excellents, ça se trouve en parapharmacie et ils sont très très bons. Donc là c'est pour les peaux sensibles et vous avez 40 ml. Évidemment Cattier c'est une marque organique, donc une marque bio, certifiée par le label bio cosmétique. L'idée d'un masque qui va venir donner de l'argile, c'est très bien parce que ça va justement venir aider à limiter l'excès de sébum sur la peau, toujours, ce qui peut être une suite au nettoyant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'argile rose, ce n'est pas trop asséchant. Et en plus, comme c'est pour les peaux sensibles, les masques Cattier ne sèchent pas trop sur la peau, ils ne sont pas désagréables. Et ils sont très pratiques pour limiter cet excès de sébum et contrer un peu les imperfections. Très contente de ce masque, vraiment, c'est super d'avoir cette marque-là dans la box. On continue avec un gel douche et là encore une super marque, c'est la marque L'Occitane et c'est un gel douche qui est au jasmin et à la bergamote. Le packaging, et c'est vraiment une miniature, il y a même l'ouverture du grand format, la même ouverture, je trouve ça génial. L'odeur est absolument agréable, c'est vraiment une odeur très fraîche, on sent très bien le jasmin et la bergamote, mais ce n'est pas le côté trop fort de la bergamote, c'est très léger. C'est un gel douche de 50 ml, donc pratique à emmener en vacances. L'Occitane, c'est une très bonne marque. Pareil, quand on reçoit des aussi bonnes marques dans une box, je peux que valider. Un gel douche dont j'adore l'odeur, le packaging est adorable. En plus, c'est des gels douches qui moussent très bien et qui n'irritent pas trop la peau. Donc pour l'instant, je valide vraiment la box. Ensuite, on a un produit pour les cheveux. Et donc en fait, c'est une sorte de soin pour les cheveux Hydrate Me Rinse de la marque Kevin Murphy. J'avais déjà reçu un après-shampoing de cette marque. Et donc, j'adore toujours autant leur packaging sous forme de, petits cubes comme ça, très rigolo. Et donc là, c'est pour les cheveux colorés. Donc ce n'est pas forcément adapté à mon profil, mais moi je ne remplis pas vraiment de profil sur la Birchbox. Il me l'envoie comme ça. Donc par contre, ça va être génial à donner à d'autres personnes que je connais qui ont les cheveux colorés. C'est un soin. En général, c'est une très bonne marque Kevin Murphy. L'odeur n'est pas super agréable dans le sens que c'est une odeur très plante, très huile essentielle finalement. Mais ce n'est pas non plus la pire odeur du siècle. Donc à tester, je redemanderai un avis aux personnes qui l'ont testé pour vous dire. Mais c'est une bonne idée d'avoir un produit pour les cheveux. Pour finir, c'est un produit de maquillage de la marque Love of Color et c'est la marque de Birchbox même, la marque de maquillage de Birchbox. Et leurs produits sont vraiment très bons. On avait reçu un rouge à lèvres qui était vraiment très agréable et très pigmenté, il était génial. Et là j'ai eu un gros coup de cœur sur ce produit qui pourrait ressembler à un rouge à lèvres quand on le voit. Mais en fait c'est une ombre à paupières crème de cette marque là. Et la couleur c'est Perfect Sense je pense et j'adore cette ombre à paupières pour vous montrer. C'est une sorte de crayon comme ça un peu crémeux et on a un orangé très irisé vraiment qui reflète bien la lumière, qui est absolument magnifique. Et ça je pense que sur les yeux bleus ça va être parfait, donc je suis très contente de l'avoir reçu pour cet été sur la paupière directement avant de faire une petite soirée sur la plage. Ça va être magnifique, hyper pratique d'utilisation, il est bien crémeux et vraiment il a une très bonne pigmentation. Gros coup de cœur pour ce produit, donc je dois vous avouer que la Birchbox me plaît beaucoup. Certains produits que je ne vais pas utiliser, mais la plupart, j'ai hâte de les utiliser et j'ai hâte de les prendre en vacances pour tout vous dire.
Donc très bien Birchbox, bravo pour cette box. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si la box vous aurait plu aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si elle vous a plu, du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao !